Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live. On se retrouve pour créer tout simplement Riverdale. Oula, il y a un problème au niveau du micro. Pour créer Riverdale sur les Sims 4, donc apparemment il y a un mystère. Donc on va voir ce petit mystère, ou plutôt on va le créer. Voilà, j'espère que du coup vous allez aimer ce que je vais faire. Puis je vais mettre en plein écran. Tac. Là je suis motivée. Okay. T'as vu tous les épisodes de saison 3? Moi genre je suis à la saison 2 parce que genre j'avais regardé un peu d'épisodes de la saison 2. Et du coup j'ai tout recommencé parce que j'avais pas regardé la saison 1 et voilà, du coup je l'ai regardé et je suis à l'épisode 9, enfin je vais être à la... parce que j'ai là je viens de finir de regarder l'épisode 8 de la saison 2. Du coup je regarde la prochaine fois je regarde l'épisode 9 de la saison 2. Moi aussi j'ai envie de te voir mais grave. Hey Rara. Moi j'ai tous les packs dans les Sims. Oh la chance! Vu qu'on se connaît depuis longtemps, au moins s'il te plaît. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup j'ai ça. Et je l'ai plus. Tu me les fais au prochain live plus bonnes vacances. Oh merci! À toi aussi du coup. Donc là les packs de jeu, j'ai juste vampire, d'ailleurs on va s'en servir je pense, et au restaurant, là j'ai tout sauf lui qui vient d'arriver, et là j'ai 4, donc celui-là on va l'utiliser aussi, j'utilise pas trop le jardin romantique sauf bien sûr le puits, mais là on va pas l'utiliser, fête de fin d'année. On les crée dans le monde de Barbie parce qu'ils existent. Donc s'ils existent, moi je dis... Je le fais là. Puisqu'ils existent de base, donc... Voilà. Ok, alors là du coup... Alors il y a toujours le bug, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. C'est un bug de script, hein, c'est rien de spécial, voilà. Non, je veux pas aller là. Là, il y avait plus de personnes, là, c'est pas normal. Il y en a qui ont été supprimés. Donc, du coup, on va aller à Near Priest. Mais j'ai origine pour aller sur les Sims 4. Je dois y aller, mon père, et rentrer. Bisous. Bisous. Alors du coup, pardon pour le bruit. Là, oula, j'ai eu un problème là. Là du coup, je sais pas où je vais les mettre. Je pense que je vais installer un lycée ici. Ouais, j'ai installé un lycée. Je vais mettre Jughead et Betty ensemble. Coucou Alia, coucou Emily. Comme ça on va la laisser. Sauf que c'est jeune adulte, c'est ça? Bah elle est pas jeune adulte, c'est une ado. Non, enfin bref, on va la mettre quand même jeune adulte parce qu'elle a déjà son permis. Donc oh. Et les... Non, si. Vous voyez l'épisode où elle a les cheveux comme ça là? Enfin l'épisode, ouais si l'épisode. Où elle a les cheveux noirs comme ça là. Betty Cooper, yeah. J'ai Netflix mais ma sœur me laisse pas regarder ça. T'inquiète, j'ai des sites, j'en ferai une vidéo. Je sais pas quand mais je ferai une vidéo. Bon déjà là la robe elle est pas du tout distinguée. Putain, elle me fait trop penser à Betty là tout de suite. Je vais vers une fille qui lui ressemble de ouf hein.
Par contre, la tête, ça ressemble plutôt à ça. Oh, de ouf. De ouf. Du coup, là, je vais lui mettre un. Puisqu'il fait froid ces derniers temps. Elle a pas beaucoup de maquillage. Elle a les yeux bleus. Ils sont un peu marrons, ses sourcils. Genre, comme ça. Oui. Bon. Il n'y a pas un CC où j'avais enlevé les sourcils, non? Elle a un assez gros nez. Oups, ça s'éteint. Bah quand on sourit, on a toujours un nez assez gros. Sa bouche. Sa bouche. Alors, déjà, on va remonter le nez. Voilà. La bouche. On va la faire nous-mêmes. Elle est assez petite. Tu te comme ça. On va lui mettre une queue de cheval. Je sais pas, je m'en rappelle plus si j'avais une queue de cheval avec des cheveux bouclés. Je pense que si, hein. Mais elle est où? Bonne question. Où est-elle? Ah. Elle a les cheveux assez courts, mais le problème c'est que c'est bouclé en fait. Donc ça pose un problème. Après, elle a les cheveux un peu de cette taille-là, à peu près, un peu plus court quand même. Ah. Non, un peu plus court, comme ça. Ouais, comme ça. Par contre, le problème, c'est qu'elle a pas les cheveux bouclés, comme ça, genre ondulés. Ouais, comme ça, mais un peu moins gros, quand même. Non, c'est trop long. En fait, à chaque fois, il y a la bonne longueur, mais à chaque fois, c'est trop long. Ah, trop long. Ah, ça irait. Ah oui, ça c'est parfait. Oh mais non! Ah si, c'est bon. ok. Donc là, du coup, on va tout de suite changer sa tenue parce que là, ça va pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ok, donc du coup le t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a un truc qui va pas là. En fait, ça me saoule parce qu'elle a pas de cul. Voilà. Ah. Non, elle a un nez fin en fait, j'ai rien dit. Là, on dirait plutôt poli. Ah, là, ça ressemble plus, mais elle a une bouche un peu plus ronde. Non, faut pas viser. Genre comme ça. Comme ça. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'elle a vraiment des crocs.
Elle est pas habillée d'une autre façon. Ah, elle a quand même les cheveux longs. Mais dans le truc, elle a pas les cheveux longs. Ok, je pense avoir trouvé sa coupe. Je pense que c'est à peu près la même que Devo. Par contre, j'ai pas de queue de cheval. Problème. Où est la coupe de cheveux de Devo? Non, c'est pas elle, c'est elle. Mais la raie, elle est de l'autre côté un peu. Donc moi j'irai. Ça c'est bien. J'ai quand même envie de lui mettre une queue de cheval en fait. Hein. Parce que elle a pas de. Elle a pas de frange. Elle a pas de frange. Non. Non. J'aurais bien aimé, mais. Non. Parce que derrière, non, merci. Ah, c'est trop court ses cheveux. Ça me stresse. C'est bien. Bon, on va lui laisser une petite queue comme ça, c'est pas grave. On va lui mettre une deuxième tenue décontractée avec les cheveux. Hop. Et là, du coup, c'est ses cheveux qui vont plus longs. Par contre, là, j'aime pas. Ça, peut-être. Ah, mais je suis bête. Pourquoi j'ai pas été tout de suite sur ça? Parce que peut-être que ça, c'est trop long. Quoique. Quoique. On va lui mettre ça. Avec. Elle met quoi? Elle a un pantalon clair. Clair, comme ça. C'est quoi ça? Oh, punaise. Et je sais pas ce qu'elle a en chaussures. Pas du tout. Parce qu'on voit jamais ses chaussures. Je vais lui mettre plutôt un jean noir. Noir. Ah, c'est stylé. Mais c'est en dessous. Donc, du coup, je reste là. Comment ça se fait que c'est toujours au-dessus? Mais c'est pas très grave en fait parce que je trouve que ça lui va bien. Bracelet, bracelet. Dégage, merci. Du coup, je sais pas ce qu'elle met en chaussures. Donc, du coup, je pense pas qu'elle est trop basket. Hein. Elle est plutôt talon. Mais genre vraiment petite. Bottes, petit talon comme ça, mais je pense pas qu'avec un jean elle mettrait ça, à moins que voilà quoi. Mais bon, Betty Cooper en black, la perruque noire de Betty. On va la mettre en noir. On va la mettre avec sa tenue là. Ah oui. Ah oui. Donc là du coup ce sera sa tenue où elle aura les cheveux lâchés. Et là ce sera sa tenue sombre. De Betty Cooper. Elle est où? C'est bien beau hein, de dire ça, mais si on trouve pas la coupe, c'est pas Betty Cooper. En black, on peut le dire. Ouais.
Alors, petite coupe de Betty Cooper, où te caches-tu? Non, c'est ça. Elle est là. Yeah. En plus, c'est vraiment une coupe comme ça, quoi. C'est ouf. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, du coup, le haut, je sais pas si on va trouver ça. Mais j'essaierai de trouver un truc comme ça. Après, je peux mettre ça, hein. Mais non. Donc, du coup, je pense que je vais mettre ça. Voilà. Avec des plus gros seins. Et une jupe, je pense que c'est une jupe. Ou un mini short sans le pantalon, Ah. please. Merci. Avec des talons hauts. Oh, oh ouais. Yeah. Trop bien. Donc moi du coup je mettrai ça. Et j'ai dit des talons hauts. Donc c'est-à-dire ça. Ça fait vraiment la Betty Cooper. Ou plutôt des talons hauts comme ça. Parce que ça aplatit ses pieds en fait. Des talons hauts comme ça. Elle est vraiment gothique, du coup on va lui mettre aussi le maquillage avec. Non! Au moment où je voulais, mon téléphone il s'est arrêté. Alors, petit zoom sur Betty Cooper. Elle a beaucoup de mascara. Elle a ça, je vais lui mettre ça. Et là, je vais lui mettre. J'aurais bien voulu lui mettre un foncé comme ça. Parce que c'est un foncé comme ça qu'elle a. Mais on n'a pas. Please, avoir du foncé, s'il vous plaît. Non. Du foncé. Voilà. Ça y est, on a Betty Cooper. Bon, oula. Ah, on la voit marcher en plus. Elle a un truc à son cou. Ah, c'est du rouge qu'elle a. Je me disais que c'était un peu. Voilà quoi. C'est du rouge. Mais genre vraiment du rouge. Rouge, rouge quoi. Voilà, ça. Ouais, non, un peu plus foncé en fait. Genre comme ça. Du rouge comme ça. Ouais. Et on va lui rajouter de l'eyeliner. Eyeliner. Ça fait noir noir. Hein. On va lui enlever son fard à paupières. Voilà, on a Betty Cooper. Bah tiens. Bah, il suffisait de la faire. Hop. Un peu plus de bidon. J'ai dit un peu plus de bidon. Voilà. Ah. Ah, qu'elle est belle. Voilà. Bah c'est bon, on a Betty Cooper. En. Par contre, non. Non. Et bah du coup, elle a sa coupe blonde. Je ne veux pas qu'elle soit blonde de partout. Elle peut pas changer de coupe des fois. Parce que là, si du coup, si je mets ça, là, ça va être noir aussi. Du coup, je dois le mettre dans habiller sa coupe. Oh, je dois tout refaire. Ça va me saouler. Je le sens. Ok. Ben, on recoupe, on refait. On recoupe. Oh, quel con. En fin de compte, si je mets ça fait à peu près pareil. Hein. Non, elle a vraiment une frange. Betty Cooper. On va lui enlever tous ses accessoires, y compris ses vêtements.
et ses chaussures et sa chaussure et ses... enfin bref, t'as compris quoi. On aurait pu lui mettre ça en fait, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens? J'avais même pas vu qu'il y avait ça. Moi, je vais mettre ça. Bon, ça se voit plutôt à travers. Hein. Non, ça se voit à travers. Je veux lui trouver vraiment un truc qui ressemble en fait, mais je pense pas que je vais trouver. Non. Ah. C'est beau ça. Faudrait que je lui mette dans une de ses tenues. Il y a plein de trucs intéressants, mais je pense que le plus vulgaire, on va dire, c'est ça. Complètement. Mais non. Il faudrait vraiment que je trouve une jupe qui colle, qui est slim. Ça, ça slim pas. Ça slim, mais ça fait vieillot. Et ça fait trop long aussi. Du coup, je vais mettre ça. Et bien sûr, c'est habillé, mais on n'a pas tout. Sinon, ce serait trop facile. Bah, ça fait plus vulgaire avec la truc. Enfin bref, t'as compris quoi, la fermeture. Ou alors un petit short. Vraiment, un tout petit short. Non. Non plus. On va lui remettre sa jupe de base. Elle est où? Là. Ok, bah on est bon du coup. À moins que je trouve vraiment... Oh, j'ai un truc dans l'œil là. À moins que je trouve vraiment autre chose plus vulgaire. Ça fait vraiment dégueulasse. C'est ce qu'elle fait. Hein. Donc là du coup je vais lui mettre, je pense que je vais rester sur des bottes ou des non, ça c'est perfect, c'est vraiment beau. Hop, ça vous dit on lui met un piercing? Piercing pour faire vraiment le côté plus vulgaire, comme si elle avait mis un faux piercing. Du coup on va lui mettre des longs cils, vraiment 10 fois plus long, et on va lui rajouter de l'eyeliner. Non, ça fait plus Betty avec le piercing là. Hop, voilà Betty Cooper en black. Du coup j'espère que si je mets en blond ça va pas rechanger la deuxième tenue. Oh, mais pourquoi je peux pas mettre tout en noir? Les gens, vous pouvez pas me dire comment on met tout en noir. Genre vraiment tout en noir. Enfin, tout en... Non, pas tout en noir. Qu'on met une couleur et l'autre qu'on met en une autre couleur. Enfin bref, vous avez compris quoi. Là, je pense que je vais créer vraiment les quatre. Il est quelle heure? Je vais créer... Oula, mon dieu, il est presque 23h. Bon, j'ai créé vraiment les bases pour l'instant. Là, du coup, habillé, je pense que je vais lui mettre. Elle a des trucs, des fois, à peu près homme, femme. Il n'y a pas plus. Peut-être qu'il y a des trucs dans les robes. Habillée, je vais lui mettre la robe qu'elle avait. J'espère que je vais la trouver. Ah bah voilà. Ah non en fait. Mais c'est un truc comme ça qu'elle porte.
Bon, par contre, les chaussures, c'est vraiment nul, quoi. Et la coiffure, je vais pas la mettre comme ça. Je vais mettre la coiffure que j'avais au début, quand j'ai cherché. Là, celle-là. Donc bien sûr, on va pas la laisser comme ça, la pauvre, parce que sinon on reconnaît pas Betty. On va lui rajouter un peu de rose. Ensuite, le rouge à lèvres, on va le mettre rose aussi. Voilà. Betty Cooper. Punaise, ça va me saouler. Betty. Ah! Ah! Ça va me saouler. Voilà. Ok, donc Betty, il y a des nouveaux trucs. Bah non, c'est pareil qu'avant. Ils sont cons aussi. Pardon. Ok, donc Betty, sport famille. Elle est vraiment proche de sa famille, hein. Grande famille heureuse. Elle est romantique. Froide, non. Sûre d'elle, peut-être pas, non. Créative, active, pitre, sans chaud. Red bibliothèque. Elle aime bien lire, mais ambitieuse, oui. Non, c'est plutôt une détective, mais comment. Il n'y a peut-être pas ça, non? Soignée, snob, paresseuse, maladroite, crasseuse. Il n'y a pas un truc dans le genre détective, non? Ah oui, initiée, elle est dans un groupe. Dans un membre d'un groupe. Extravertie, c'est des esprits puissants lorsqu'ils discutent de manière amicale. On a besoin social qui se détruit. Elle est joyeuse. Algorithm and Kira. Pomeray Quas. Yumble Aragaba. Wanjini Makosa. Non, normal. Ok, ensuite on va créer Joker. Joker Jones. Karash Absworth. Chuck et Trump. Ok, donc la coiffure, je ne sais pas si je vais trouver. Ouais. Ça irait, ça irait. Ça irait si un bonnet. Ça irait mieux quand même. Ouais, ça. On part sur ça. Allez.
Et le chapeau, j'espère qu'il y a un bonnet comme il y a lui. Parce que sinon je vais péter un câble. Ah oui, trop bien. Non, pourquoi il n'y a pas en gris? Hein? Non. Il y a les cheveux communs. Je parlais d'un tuto pour avoir plusieurs couleurs de cheveux pour les Sims, mais il n'y en a pas. Les yeux. Il y a les yeux verts. Vert perse. Pourrais-je avoir une couleur un peu plus. S'il vous plaît, merci. Oh, faut vraiment que je vois la photo. Truckhead Jones. Riverdale. Truckhead. Truckhead. Jughead meurt? C'est une blague? Non? Jughead meurt? Non. Saison 2, épisode 22? Jughead est-il mort? Non. Non. Attends. Non. Attendez les gens. Je veux pas que vous me spoilez, mais il est pas mort Jughead quand même. Oh please. Non. Oh, j'ai d'avoir un truc là. Mais non. La mort de Jughead. Ah. Jughead dit je t'aime à Betty. Le sacrifice de Jughead. Et là, je suis choquée. C'est bientôt là parce que, genre. Oh my god. Je suis choquée là. C'est genre. Là, je regarde l'épisode 9 bientôt. Et c'est l'épisode 21 de la saison 2. Il y a les yeux verts ou bleus, les gens? Lui est toujours avec un truc autour de la taille là. Vous avez entendu encore le bruit? Je ne sais pas si c'est un P, mais. Non, c'est pas un P. J'aimerais bien avoir un haut. Ah, voilà. 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 Ok. Mais pourquoi Jughead? Je vous jure, après, je regarde l'épisode 22. Même si je suis à l'épisode 9, je regarde l'épisode 22. Je me spoil d'avance. Non, je vais pas faire ça. Je vais le regarder pendant les vacances. Au calme. Calme. Oh mais non, mais je suis dégoûtée quoi. Il y avait que ça pour hein? Il y avait normal quoi. Ah, oh, ça me saoule. Les gens qui ont déjà regardé la saison 2, est-ce que Jughead est mort? Oui, je crée le mec à Betty, mais je pense pas qu'il soit ressemblant. Je pense à rien. Je pense pas qu'il ressemble quand même. Il y a un peu des rides quand même. Il y a un peu plus blanc aussi. Il y a les yeux de quelle couleur? Ah, c'est rassurant. Ouais. Pourquoi il meurt chez la saison 3? Le pire, c'est que la dernière semaine, j'ai... Que des évals comme chaque année quoi. Ah oui. Pourquoi il meurt? Bah j'aimerais bien qu'il meure pas. Quand même. C'est comment tu vas? Non? Non t'inquiète, il meurt pas. Oui, trop bien. Oh, c'est rassurant.
Donc les chaussures déjà. On va lui mettre des baskets, hein, parce que. Bon, il ressemble pas trop à Chucket, hein. Il ressemble plutôt à Jason, mais que Jogan, mais c'est pas grave. Il peut avoir des rides. Non. 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 Ah voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc Jughead, déviance, roi des bêtises, ce Sims veut se faire des ennemis et devenir un criminel célèbre. Non, on pourra créer la cagoule noire. Sport, amour, romantique, morose, joyeux. Romantique, sans chaud, sûr de lui. Sûr de lui. Bah, moi je dirais plutôt que elle, c'est. Elle est. Elle est. Elle est. C'est une génie. Donc, Jughead, froid. Non. Snob, non plus. Kleptomane, encore moins. Immature, ça veut dire quoi? Ces Sims obtiennent des états d'esprit puissants en regardant la chaîne pour enfants. Non, on peut pas abuser. Déteste les enfants, extraverti, malveillant, jaloux. Jaloux. Méchant, non. Proche de sa famille. Membre d'un groupe de potes. Solitaire. Oh oui! Il est solitaire, ça c'est sûr. Moi je dirais plutôt qu'elle est proche de sa famille. Extraverti. En conflit avec proche de sa famille. Proche de sa famille. Extraverti. Non, si. C'est un génie. D'accord. Donc maintenant. Bah c'est coloc, hein, c'est coloc, clac. Je dois y aller, je re après en cachette. Je l'aime pas, Véronica. Pourquoi tu l'aimes pas? Quelqu'un peut m'écrire le nom du série, s'il vous plaît? C'est Riverdale. Ah, elle, ce serait bien la mère de Cheryl. Benusa Canad. On va créer Mademoiselle Véronica Loach. Attends, le gars. Ils ont des voix, mon dieu. On peut pas avoir une fille qui est un. Qui ressemble à Véronica, non? Pas possible. Sarpava Chorg. Meboon Grosh. Olaba Hefedroy. Reginil. Subi Web. J'allais m'arrêter, mais non. Batisa Wallakay. Batisa Wallakay. A maybe. Tu sais, c'est quoi leur voix? Batisa Wallakay. C'est quelle langue? Lobby Zor. Taroy. Lobisa Fruma.
Lagar. As you whip. Augurez Vinkira. Oh, Laba. Hefadroy. Un peu plus foncé quand même. Ok, du coup là on va lui mettre une robe, normal, je pense quand même, parce que Véronica est très robe, elle a plus de forme. Avec tes talons. Oh mon dieu, trop belle la robe. Ça ressemble beaucoup à Véronica quand même. Qu'est-ce que je vais mettre? Ça. Elle a les yeux noirs. Donc ça c'est bon. Ou ça. Ouais. Okay. Ensuite. Et. Non. Donc pour l'instant on met juste leur tenue de base. Alors du coup là, Jughead Jones. Attends, Jughead. Parce que c'est écrit comme ça. Et là, on va faire. Merci beaucoup, YouTube. Merci. On va mettre ça. On dirait Jason. De ouf. Allez, on va faire Jason. Même s'il est mort, on va faire Jason. Parce qu'il ressemble de ouf à Jason et j'ai pas envie de rater ça. Et à les yeux de quelle couleur Qui peut me parler de cette chaîne? Je viens de m'abonner. Oh, merci beaucoup, Delovo. Merci beaucoup. Bah, sur cette chaîne pour le moment je fais que du Sims parce que genre sinon ça bug, il y a des pixels et tout. Si je fais du Fortnite, si je fais du Roblox, si je fais des choses sur internet comme avec FPS, et du coup là je fais que sur les Sims 4 pour le moment, et cette année j'aurai la fibre, du coup je pourrais vous faire des lives à la fin de l'année sur Fortnite, ou quand j'aurai la fibre, je sais pas quand je vais l'avoir, parce que pour l'instant c'est pas confirmé. Donc voilà. Pantalon. Je ferai Archie plus tard.
Donc là, du coup, un amour, sur de lui, ça change, actif, joyeux, actif, comment, proche de sa famille. Oh, Rinshu, Dwasiba. Je veux que l'Ottoman soigne. Je pense qu'il soigne quand même. Alors du coup, la Jason Blossom. Je sais pas si c'est écrit comme ça, du coup je vais faire ça. Jason. Il n'y a pas matériel. Sur d'elle, romantique. Non, merde. Ok. Et là, du coup, j'avais pas mis le nom. Véronica Lodge. Voilà. Donc là, du coup, c'est bon. Je l'ai pas maquillée, c'est ça le problème. Son équipe pour ce problème. Elle va faire un truc. Ok, on est bon. Ok. Voilà, merci pour vos abonnements les gens, merci beaucoup. On va les installer ici. Moi je vais sauvegarder et quitter. Merci pour votre présence. Voilà. Ça m'a fait très plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Voilà. Si vous aimez les lives sur les Sims 4. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Bisous, bisous.